Non, 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 non. Je t'ai dit, je verrai dans quelle mesure. Non, non, je dois d'abord finir avec le cas de ma fille, là. Oui. Oui, si je finis tôt, je serai là dans tous les cas. Ok. Disons à tout à l'heure. Kiara. Oui, papa. Ça va? Ça va bien. Mais attends. Je ne sais pas. Tu m'as dit que tu devais me présenter ton petit ami qui est arrivé ici aujourd'hui, non? Oui, papa. Mais j'ai dû annuler ma réunion parce que je me disais, voilà, je le reçois. Mais je suis en train de me rendre compte que lui, il n'est pas là. Il est déjà là. Il est quelle heure là déjà? 17 heures passées? Hein? Papa, il m'a dit qu'il était déjà en route, parce qu'à ce moment, il y a les embouteillages. Non, mais essaye de l'appeler pour savoir à quel niveau il est exactement déjà. Oui, allô, ciao. Au niveau de Kounou. Oui, je t'ai dit au Tchanong, regarde. Mais ce n'est plus trop loin. Il y a un gros embouteillage. En tout cas, il faut me faire signe. Dès que quand tu as la brigade là, tu me dis, je viens te chercher. Non, parce qu'il y a papa là qui t'attend déjà. Merci. D'accord. Toi-même, tu connais ta mère. Si ta mère était là, si elle a déjà crié ici, fatiguée. Hein? Oui, papa. Bon. Elle se dépêche. J'ai vraiment des choses à faire. Et cette réunion était tellement importante parce que je voulais solliciter quand même un crédit de ce côté-là. Hein? Comme tu vois la vie qu'on mène ici, tout ce dernier temps, j'ai envie de mettre sur pied un petit business, hein? Histoire qu'on ne puisse plus souffrir comme on le fait là. Ok, en tout cas, on attend encore. Bref, je vais dans la chambre. Dès qu'il sera là, tu me fais appel. Ok, papa. À tout à l'heure. Allô? Oui, tu es déjà là. Ah, ok. Je monte, je te change. Oui, je te récupère là, je suis en montée. Ok, d'accord. Papa, il est déjà là, hein? Ok. Je monte le chercher. D'accord, dès que vous êtes là, tu me dis. D'accord, papa. Vas-y, entre. Assieds-toi. Merci. Papa? Papa, nous sommes là. Ah, papa. Papa, je te présente mon chéri Ronnie. Ronnie te présente mon chéri.
Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Moni, qu'est-ce qui se passe? C'est ton petit ami ici. Oui, papa. C'est quoi, il y a un problème? Oh, oh. Vous avez déjà couché ensemble? Papa, c'est quelque chose comme ça, bien sûr. Mon Dieu. Yé. Yara. Oh, oh. Ouais, possible. Ma fille. Adèle, mais qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi aussi, non. C'est comment? Ronny. Papa. Pardon. Vous avez couché ensemble? Dis-moi. On l'a déjà fait plusieurs fois, papa. Papa, t'as encore ton fils ici, là. Yara. Yara. Mais ça, c'est ton frère. C'est ton frère. Comment c'est arrivé? C'est ta faute. Papa, s'il te plaît. Je ne comprends même pas ce que vous racontez là. Parce que moi, c'est comme si pas drôle. Mais je suis en train de te dire que là, c'est mon fils. Hein? C'est mon fils. Papa, c'est ton fils. Comment tu nous as jamais présenté? Tu nous as dit que tu n'avais jamais d'enfant dehors. C'est elle de ta faute. Je sais que je l'ai dit à ta mère. Il lui a dit que je n'avais pas d'enfant parce que c'est une femme très jalouse, de peur, peut-être de briser notre relation. Mais en toute vérité, voici le garçon que j'ai eu dans ma tendre jeunesse, Ronny. Papa, pourquoi tu n'as pas présenté même à moi ta fille, papa? Pourquoi? Papa, tu m'as tué. Parce que j'attendais. J'attendais la bonne occasion pour pouvoir le faire. Papa, quelle bonne occasion? Dis-moi un peu. C'est la bonne occasion là ici maintenant. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Toi-même, tu sais que ta mère, je ne vivais pas avec vous. Ça ne fait pas longtemps. Je n'étais pas là. Je suis arrivé. Je ne vivais pas avec vous. Je suis venu vivre avec vous ici. Je n'étais pas présenté à ton frère parce que je ne savais pas. Je ne savais pas où commencer. Je me disais que non, j'attends la bonne occasion. Le moment venu, je le ferai. Mais d'où vient-il, mon Dieu? Papa, tu ne m'as jamais parlé de Chiara. Je sais, ça je le sais, mon fils. Toi et moi, on se voit combien de fois en une année? On s'appelle combien de fois? Ta mère était partie avec toi. Hein? Elle m'a fait croire que non, tiens, voilà. Comme je ne veux pas l'épouser, la seule chose qui me reste à faire, c'est de t'oublier. J'ai souvent tout fait, de me rapprocher de vous. Je n'ai pas pu faire autrement. Mais me pose une question, comment cela est-il possible? Pourquoi le monde est ainsi? Ça, c'est quelle providence là? C'est quel hasard? Ça s'est passé comment? Hein? Tout ça c'est toi. Tout ça c'est moi, mais tout ça c'est toi-même aussi, c'est vous-même. Hein? Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne prenez pas le temps de pouvoir observer vos relations, de pouvoir vous poser des questions et tout. Ronny, mon nom est à poser sur ton acte de naissance. Ta mère m'a dit ça, qu'elle était allée faire l'acte, elle a mis mon nom, malgré mon absence et tout. Même comme elle refuse que je puisse te prendre. Hein? Toi de ton côté, c'est la même chose. Quand vous vous êtes connus, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas posé des questions? Hein? Est-ce que tu n'as pas cherché à connaître qui est cette fille? Elle n'a pas cherché à connaître qui tu es, si tu as des parents? Papa, les choses se sont vite passées. On n'a même pas pensé à ça. Oui, mais c'est ça. C'est votre monde d'aujourd'hui, donc. Tout va vite. Tout va vite et voilà ça. Voilà une relation incestueuse que vous avez eu à bâtir. Pour rien. Que deviendra ma vie? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle abomination? C'est quelle abomination, ça, Chiara? Hein? Au point où vous avez déjà eu à coucher ensemble, est-ce que tu étais obligé? Tu étais obligé d'aller faire l'amour? Toi, tu étais obligé de lui faire l'amour? Papa, puisqu'on s'aimait déjà, on s'aimait déjà. Qu'est-ce que tu appelles l'amour? Tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas? Hein? Tu aimes quelqu'un comment que tu ne connais pas? Hein? Pourquoi n'avons-nous pas eu à attendre peut-être cette rencontre-ci pour commencer à faire votre amour? Hein? Ça veut dire que si je ne venais pas ici à la maison, je n'allais toujours pas connaître. Oui, mais un jour ou l'autre, sûrement, tu allais finir par connaître. Je sais, je reconnais, j'ai une grosse part d'erreur dans tout cela. Hein? Parce que j'ai dû
comment dire, je n'ai pas été responsable, hein, en ne prenant pas sur moi de vous présenter. Mais en toute honnêteté, je vous le dis, c'est ta mère. J'accuse ta mère. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, quand elle est partie, ta mère est partie, pourquoi? Je ne lui avais jamais rien fait. Mais elle a trouvé que j'étais pauvre. Je me démerdais à l'époque. J'allais de chantier en chantier pour pouvoir lui donner de l'argent. Mais quand elle est tombée enceinte, elle a dit non, elle ne peut pas avorter, mais pour rien au monde, elle ne peut faire sa vie avec moi. Hein? Elle ne peut faire sa vie avec moi. Et ça, c'était au départ. Et bien, dès que j'ai eu de l'argent, quand j'ai demandé à te prendre, elle m'a plutôt dit, si je vais te prendre, je dois la prendre aussi. Que je veux prendre l'enfant et la mère alors. Papa, ça n'a pas empêché que tu me parles de ma famille, ma deuxième famille. Est-ce qu'on a eu le temps souvent de se voir? Ronnie, tu m'en veux. Est-ce qu'on a eu le temps? Je te vois combien de fois en une année, je t'ai posé cette question-là. Parce que ta mère t'a éloigné de moi. Toi, de ton côté, tu es une jeune, tu es toute jeune, tu n'as même pas encore 21 ans, Chiara. Tu m'as parlé, tu m'as dit, papa, je vais te présenter mon petit ami. Je me suis dit, une fois il sera là, je vais vous donner les conseils ensemble pour que vous puissiez cerner ce que c'est la vie. Mais voilà, ça arrive plutôt que, comme la technologie, tout va vite. Les nouvelles méthodes de technologie chez vous, tout est développé, tout est, je ne sais pas, tout va à une vitesse exponentielle. Papa, tu n'as aucune raison, tu aurais dû me parler de ça. En tout cas, je pense qu'il y a une certaine complicité entre nous, je pensais que tu me disais tout. Je ne savais pas que c'est toi qui pouvais me cacher une chose pareille. Ma fille, j'avais peur que tu ne dises à ta mère que j'ai un enfant dehors. Parce que tu lui dis tout. Parce que tu lui dis tout. Est-ce que je te trahis tout? J'avais tous les secrets qu'on a en commun. Est-ce que j'ai la vie à maman? Qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Mais la première des choses, c'est d'arrêter de faire ça. C'est de te lever même d'avoir de ta soeur de l'autre côté là-bas. Couper ce cordon-là. C'est la première des choses à faire. C'est ça que vous devez d'abord faire. Couper ça. Hein? Papa, toi, tu penses que pour toi c'est trop facile? Tu penses que c'est facile comme ça? Et vous vous dites quoi? Vous croyez que vous allez continuer à mener cette relation? Hein? Vous devez vous faire violence. C'est arrivé, je vous comprends. C'est arrivé. Vous étiez dans l'inconnu. Mais maintenant que vous savez cela, ça devient un péché. Parce qu'on dit l'interdit est sacré. Vous comprenez ça? Tout ce qui est interdit est sacré. Donc maintenant vous savez déjà que vous êtes frères et sœurs, alors vous ne devez pas continuer de coucher ensemble. Vous devez arrêter cette relation. Je sais que ce sera difficile. Vous comprenez? Ça, je le sais. Mais par la force de Dieu, par la force des prières et par la force des ancêtres, ce sera possible. Ça va se faire. Donc, ce que nous allons devoir faire là, Ronnie, tu connais déjà la maison. Ce que tu vas faire demain matin, très tôt. D'ailleurs, je pouvais même te retenir ici, mais je ne veux pas que tu dormes là. Demain matin, très tôt, tu ne dis rien à ta mère. Toi-même, quand ta mère va venir aujourd'hui, tu ne lui dis rien. Parce que plus le péché se balade, plus il devient dangereux. Papa, je vais lui dire. Je dis de ne rien dire à vos parents. Que nous conduit en erreur. Je vous le dis, cela pourquoi? Moi, je vais en parler, maman. Papa, oh là là. Je vais lui dire. Moi, oh là là. Parce que quand tu devais me parler de ça, je m'en ai parlé. Ce n'est pas maintenant que je vais te cacher. Je dis, je voudrais que cela passe inaperçu. Papa, ça veut dire qu'on s'en va faire les rites. Non. Je vais vous amener au village. Mais quand moi j'irai au village, maman va demander où est-ce que je vais. Mais te voici qui est ici, est-ce qu'elle t'a accompagné? Papa. Elle ne t'a pas accompagné, tu es déjà un grand garçon, Ronnie. Tu n'es plus mineur. Hein? Donc ce qu'on va faire, on ira d'abord sur les tombes de vos ancêtres, hein? Implorer leur pardon. Ensuite, on ira. Il y a au village, il y a les arbres sacrés, il y a les herbes sacrées même. On va faire tout ça, on fait tout un rituel. Et puis maintenant, on va voir chez nous habituellement quand ça se passe ainsi. On achète le mouton ou la chèvre. Vous allez vous mettre dessus, écraser ça jusqu'à ce que ça puisse mourir. Pour tuer cet inceste qui est entre vous. Mais je vous dis par-dessus tout, c'est vous-même qui devez vous armer de courage, vous faire violence pour arrêter cette histoire-là. Sinon, je vous dis, imaginez un temps soit peu que vous fassiez un enfant. L'enfant là va ressembler à quoi? Hein? Ce sera carrément un dinosaure. Rien d'autre, un australopithèque. Ce sera ça. Donc je vous dis de grâce, mes enfants. Je vous comprends, Ronnie. Je vous demande pardon. Tout ceci, c'est de ma faute. Tout ceci, c'est de ma faute. Parce que si je m'étais ouvert à vous, je pense que tout ceci n'allait pas arriver. Et voilà que ça me retombe dessus, mon Dieu. Ça me retombe dessus. Pardonnez-moi, mes enfants. Tout ça, c'est de ma faute, je le reconnais. Mais le vin est tiré. Il faut le boire. Ce que nous allons faire, c'est faire tout ce que je vous ai dit là.
commencer par les rites et puis rencontrer les hommes de Dieu qui vont nous donner les prières à tous, parce que moi-même je suis concerné ici, pour qu'on puisse les faire, pour que demain nous ne soyons pas victimes peut-être des accidents de circulation, des morts peut-être, des morts liées sur les incendies et autres, hein? Des morts liées sur des incendies et autres, qu'on ait le temps, hein, de pouvoir améliorer notre vie. Parce que là, je vous dis, ce que vous avez fait est abominable. C'est abominable. Papa, je fais tous les rites. Mais notre relation de père et fils reste seulement au téléphone. Mon fils, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Pourquoi, mon fils? Pourquoi? Jamais de ma vie, je ne te verrai plus. Mon fils, il te plaît, ne dis pas ça. Je dis, je reconnais ma faute, je reconnais. Ma faute, je vous l'avoue, je vous la dévoue. C'est moi le fautif, Chiara. Papa, ne me touche pas. Mon Dieu. Mon Dieu. Il faut que je rentre. Mon fils, vas-y. Vas-y. Mais demain matin, n'oublie pas, sois là à la première heure. Si jamais on changeait de sang, je devais changer mon sang. Mon fils, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Et Chiara, mon bébé, s'il te plaît, viens. Papa, laisse-moi. Je t'en prie, je sais. Papa, je te déteste. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai fait pour mériter ça?